Ah, c'est pas tous les jours hein, qu'on assiste et qu'on a le privilège de commenter une finale de Coupe du Monde. Vous imaginez bien qu'on est ravis vraiment d'être dans ce stade avec Pierre. L'Angleterre contre la France. Oui, Hervé, la finale du mondial, c'est le match que tout le monde veut jouer, hein, même les blessés. On regarde Kylian Mbappé qui joue la finale 2018 avec trois vertèbres bloquées et N'Golo Kanté qui a une gastro. Ah, tu fais quoi quand t'es coach hein? Tu te passes de tes meilleurs joueurs pour la finale? Ça, c'est un casse-tête. Allez, le match qui débute à l'instant. L'arbitre fait signe d'y aller. Messieurs, à vous de jouer. Ouais, Sterling qui va peut-être déborder. Ah, il a perdu le ballon, Sterling. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Le ballon est bien sorti. Ce sera un corner. Paul Pogba, il s'est appliqué sur ce corner, attention. Et ça y est, le voilà, le premier but de cette finale. C'est donc une réelle occasion de but sur ce corner que l'on revoit en ce moment. Et la conclusion de la tête, le gardien est battu. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Luke Shaw, John Stones, Harry Maguire. Ouais, on passe par les côtés. Ouais, impeccable ce tacle, le ballon qui file en touche. Ouais, belle intervention, ballon en touche. Mason Mount. Ouais, l'attaque enrayée. Raphaël Varane. Paul Pogba. Griezmann. Les Bleus à l'attaque avec ce ballon. Oh, le grand danger. Et le ballon qui est au fond. Et ça fait deux buts d'avance. Ça fait deux buts d'avance. Regardez, c'est du délire chez les supporters. Oh, elle se présente très très bien à cette finale. Alors que le réalisateur nous donne la possibilité d'admirer une nouvelle fois la finesse de ce joueur dans le dernier geste. Superbe ballon piqué, rien compris. Ah bien voilà, ça fait maintenant du but d'écart, hein. 2-0 au tableau d'affichage. On écarte le jeu. Il protège son ballon. Alexander Arnold. Phil Foden. Mason Mount. Anderson. Harry Kane. Allez, le centre peut-être dans l'axe. Le centre et c'est contré. Ah, dommage, hein, cette passe qui file en touche. N'Golo Kanté. Griezmann. Il y a un peu d'espace par là. Il s'enfonce. Il s'est un peu précipité là. Anderson.
Luke Shaw. Il perd le ballon. Allez, touche pour l'Angleterre. Luke Shaw. Ce sera une remise en jeu après ce ballon qui a été dévié. N'Golo Kanté. Ah, c'est bien donné ce ballon. Il continue là d'avancer. Il avait vu venir. Ah, ça va être compliqué. Ouais, bien défendu. Le ballon qui est sorti en touche. Harry Maguire. On a rarement vu une attaque anglaise aussi inefficace et moribonde. Il va rendre le ballon à l'adversaire avec cette touche. Benzema. Ouais, la belle aspiration sur cette passe. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, oui, bien joué en profondeur. Oh, le joli plongeon pour rassurer tout le monde. Ouais, c'était pas la peine de forcer là-dessus, mais bon, il fallait y aller quand même. Mais non, c'est sans danger, cette reprise de la tête. Ouais, ça passe assez loin du cadre. Phil Foden. Mason Mount. Anderson. Luke Shaw. Le long de la ligne de touche. Harry Kane. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Il y aura une minute seulement, une minute minimum de temps additionnel. Non, elle est interceptée cette passe. Et voilà, c'est la mi-temps ici. Déjà 2-0 au score. Très bonne première période pour ces joueurs qui ont fait un pas vers le titre. Ils sont dans des conditions idéales, c'est vrai. Ils ont réussi à faire le plus dur. Il s'agit maintenant de conserver cette avance en essayant de placer des contres. Mais ils savent maintenant que leur adversaire va devoir prendre des risques. Allez, c'est reparti avec les Bleus qui ont fait une bonne première période. Paul Pogba. Avec Hernandez. Raphaël Varane. Paul Pogba. Griezmann. Paul Pogba. Mbappé. Allez, oui, il va y aller. Oh, que c'est bien défendu, ça. La passe qui était trop appuyée. Raphaël Varane. Paul Pogba. Oh, voilà, un ballon perdu par la France. Le ballon change de camp. Kylian Mbappé. Mbappé. Et le gardien, c'est pas fini. Griezmann à la lutte. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. N'Golo Kanté. Ah ouais, la talonnade, bien joué. Antoine Griezmann. Le ballon est perdu sur cette bonne intervention. Anderson. Qui perd le ballon. Mbappé. Allez, les Français, il faut se créer une occasion. Benzema. Oh,
énorme plongeon. Il écarte le danger, Pierre. Ouais, il a pu faire admirer son coup d'œil. C'est repoussé par le gardien. Et le gardien qui est sur ce ballon. Il tente un coup, peut-être a-t-il enfin trouvé la solution tactique face à cet adversaire. Et ce ballon qui est perdu. Le pressing pour mettre le porteur en difficulté. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Ouais, elle gagne son duel. Ouais, la passe en profondeur, attention. Oui, bien donné cette passe en profondeur. Ouais, le ballon qui file vers le but. Et bien sûr, il n'y a plus personne dans les cages pour l'arrêter. Ces images qui nous permettent de revoir comment Benzema parvient à remporter ce duel décisif dans la défense adverse. Et après, quand on voit le calme de Kylian Mbappé au moment d'éliminer le gardien adverse, on se dit que ce gamin a vraiment quelque chose. En même temps, je crois que c'est plus un scoop. Hein. Ah, c'est probablement le coup de massue. Ils ne pourront pas revenir. Pas très inspiré, les Anglais. Avec ce ballon perdu directement. Karim Benzema qui avance vers le pied. Benzema. Oh, il a dévié le ballon du bout des doigts au-dessus de sa barre. Le corner, le ballon en pleine surface. Ouais, ça va sortir. Corner. Ouais, les supporters qui chantent, qui veulent montrer qu'ils sont là également. Un gardien qui préfère écarter du point sur ce corner. 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Raphaël Varane. Benzema. Antoine Griezmann. Ah oui, le bon ballon là. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. 2 minutes de temps additionnel viennent d'être annoncées. Transmet ce ballon. Voilà, ça en est donc terminé de cette Coupe du Monde. Si on essaye de faire le bilan, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe qui a remporté la compétition, Pierre? Et ils ont fait un sans faute tout au long de la compétition. Ouais, on va encore dire que je taille, mais franchement, je trouve qu'on en fait un peu trop sur cette équipe. Bah, ils sont champions du monde, Pierre. On va faire mieux. J'aurais aimé avoir une équipe plus flamboyante, plus offensive. Moi, pour moi, la gagne, ça ne suffit pas toujours. C'est ton côté romantique. Non, c'est mon côté, j'aime le football. Allez, la remise de cette Coupe du Monde. Et bien sûr, ce contraste auquel on est habitué. L'incroyable joie d'un côté, des visages inconsolables de l'autre. Bah oui, mon petit Hervé, c'est un peu le jeu de ce genre de tournoi. Il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. C'est dur, mais c'est ça la compète, c'est ça le haut niveau. Et ça va être la fête, bien sûr, avec les supporters. On va avoir de belles images en perspective. Ouais, et puis un sacré concours de selfies sur les réseaux sociaux. Allez, ils vont aller partager ça avec leurs supporters. Le gardien s'est emparé du trophée. Il va le brandir devant les fans. Ouais. On va aller voir qui se congratule également. Et tout le monde veut la toucher, la coupe. Hein. Ouais. Bon, il lâche pas son bout de gras. Hein. Pas prêteur avec son trophée, le garçon. Et regardez cette belle image. Les supporters qui on saluent dit, les on joueurs prête qui dansent. Ses jouets.
Allez, la petite photo pour l'éternité, parce qu'on ne se rend pas compte quand on vit des moments comme ça. Ça, c'est la photo que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la photo officielle que les gens regarderont. Hein. Ouais, les joueurs font les marioles, mais c'est une photo qui est là pour l'histoire.